J'espère que tu n'as pas oublié que c'est aujourd'hui que ma soeur arrive. C'est aujourd'hui? Il me faut un peu d'argent pour faire un bon repas. Mais toi, on me dit que la fin du mois là, ça a passé seulement pas des jours. Hein? Tu veux que je fasse quoi? C'est la première fois qu'un membre de ma famille vient nous rendre visite et faire ta connaissance. Tu peux pas faire des efforts. Faut pas qu'elle aille raconter après que l'homme avec qui je vis est comme si, est comme ça. Je ne veux pas. Ok. On va régler ça. C'est compris? Et votre permis de conduire? Quel permis de conduire? Je ne suis pas le seul à conduire sans permis. Là. La loi n'est pas en application. Tiens! Je dis, vous êtes des indisciplinés. Comment ça? Vous voulez rouler là où les motos roulent? Hein? Comment on va rouler? Dégage! Des policiers. Comme ça. C'est ça! C'est comme ça! Des motos! Pourquoi t'as bien avec moi, hein? Ça te va pas? Oh là! Aïe! Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Jessica, ça va? Oui, ça va bien. Oui. Et chez vous? Oui, ça va. C'est vrai que ça va? Oui, ça va. Ok. Oui. Alors, j'ai une information pour vous, si ça va. Et je vous informe qu'en vue du lotissement qui a lieu actuellement dans mon village, là, des parcelles sont disponibles. Donc, si vous avez besoin de ça, si vous êtes intéressé, voilà, vous me faites la photocopie de vos CNIB et vous me les apportez. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Ma fille et son mari en cherchent en ce moment. Je vais les contacter. Ok, ça tombe bien. Juste la photocopie seulement? Non, il y a des frais de 30 000 francs qui s'ajoutent. Hein, mais ça, c'est pour le soutien de la commune et de la mairie. Ah, il fallait commencer par là. Oh, toi aussi. 30 000 francs pour une parcelle, ça, c'est du donné, là. Sinon, j'allais vous le dire. Tu vois, il y a des numéros aussi. Tu vois tout ça? C'est des numéros.
tout cela. Mais il y a deux catégories de numéros. Il y a les numéros NIM et il y a les numéros NPIDK. Les numéros NIM là, ça c'est pour vous autres là. Voilà, numéro pour investisseurs moyens. Voilà, ça c'est ça comme ça. Le vôtre là. Et les NPIDK là, ça c'est numéro pour partenaire indispensable pour le développement de Kayao. Voilà, ça je vais montrer au boss. Ouais, vous voyez tout ça là, c'est les gars qui ont payé. Vous voyez? Oui. Bon, moi je veux la parcelle là d'abord, ensuite je paye. Waouh, waouh. Fleur, les latins disent que primo vivere, diam philosophare. Donc tu payes d'abord, ensuite tu as ta parcelle. Leur fixe ne répond pas. Apparemment, ils ne sont pas à la maison. Je vais leur faire un message et je te rappelle après. Il n'y a pas de problème. Ok. Il est là. Mamie, tu penses que c'est sérieux son affaire là? Les affaires de parcelles là sont trop floues en ce moment. Mon Jean-Marie, il peut au moins s'essayer. Ah, moi, en tout cas, je n'ai pas confiance. Ah, excusez-moi, DG. Oui. C'est quoi? Tenez. C'est quoi? NPDIK. Ça veut dire quoi? C'est des numéros pour les partenaires indispensables au développement de Kayao. Vous savez, actuellement, le lotissement de mon village bat son plein. Bon, comme nous sommes des autochtones et propriétaires terriens, encore que je suis prince, on ne peut même pas finir les parcelles. Ah. Donc j'ai pensé à vous. Vous savez, monsieur Gonkoudou, votre village est trop loin. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ouais, DG, vous avez raison, mais vous avez tort. Avec la décentralisation, là, Kayao n'est plus comme avant. Ah bon? Nous avons l'électricité, nous avons l'eau courante, nous avons le réseau, il y a le Wi-Fi. Kayao est devenu comme Ouara 2000. Ah bon? Oui. Bon, ben, merci, ça ne m'intéresse pas. DG, tenez, c'est moi qui vous donne cadeau. Écoute, je n'en veux pas. DG, les parcelles là, ça ne suffit pas. Même si vous en avez 100, vous avez des enfants. Je vous prie de construire là-bas, même si vous n'allez pas y habiter. Vous pouvez mettre en location aux fonctionnaires de Kayao. Bon, écoutez, est-ce que je peux travailler? Qui t'a demandé les papiers? Mais je ne sais pas pourquoi vous m'avez arrêté. Tu dois me montrer mon travail. Non, je ne peux pas. Mais je ne sais pas pourquoi vous m'avez arrêté. C'est à cause du papier. Vous vérifiez. Mais comment tu as fait? Je travaille pour ça. Mais avec une voiture pourrie comme ça, tu ne peux pas avoir tes papiers? Je ne suis pas pourri, je travaille, je gagne dans ça. Vous devez avoir les papiers normalement. Je dois travailler pour ça. Tiens, l'air. Ouais, c'est pour vérifier. Bon, attends. Non, chef. Attends ici. Pas le feu. Je ne mange pas le feu. Non, absolument, attends, parce qu'il n'a pas le feu. On se fait là. Attends. Non, c'est pas. Non, non, non. Non, on se fait autour. Voilà, on se voit là-bas. Devant nous. D'essence. Et comme Daf aussi n'est pas là. Non, Bouba. La dernière fois, je vous ai donné un carnet de bons.
Justement parce que Daf n'était pas là. Hein? Qu'est-ce que vous en avez fait? Patron, comme le prix de l'essence augmente au hasard maintenant là. Ah non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Dites plutôt que vous soustrayez les bons pour distribuer à vos multiples copines. DG, wallah, moi je ne fais pas ça. Non, non. Et puis, derrière, voilà, il y a ça là aussi. Que le garagiste ça apporte. Quoi? Vous êtes allé pour changer l'huile et ça a coûté ça? Oui, oui. Parce qu'il y avait d'autres pannes là. Il a profité de réparer. Quoi. Ah non. À ce rythme-là, on va changer de garage. Patron, c'est pas bon. Si on change de garage là, c'est pas bon pour le véhicule. Puisque ce garagiste-là, il connaît très bien la voiture là. Bouba, je vous connais. Vous ne voulez pas qu'on change de garage parce que vous avez vos deals là-bas. C'est ça. Mais chaque fois que vous envoyez le véhicule là-bas, vous me ramenez des factures chères. Tenez. Et dites-lui que je ne paye pas. Il n'a qu'à m'amener la facture du travail demandé. Oh! Et il y a autre chose. Quoi encore? Enfin, je suis reparti voir mon marabout là. Il a dit que l'affaire de l'ancien DG là, vraiment c'est sérieux. Il faut faire quelque chose. Et Bouba, est-ce que vous ne voulez pas repartir à la chasse aux chauves-souris? Non, non. Ce n'est plus ça. Il a changé. Uh-huh. Oui. Mais il dit d'apporter un bouc noir qui est né le même jour que l'ex-DG là. Ça, ça peut faire l'affaire. Bouba, merci. Madame, contrôle de police. Madame. Je demande les pièces de la moto. Les pièces de la moto? Ouais. Ah. Excusez-moi, monsieur. J'ai dû les oublier. Toi, j'ai quitté précipitamment ce matin pour Ouaga. Madame. Sans les pièces de la moto là, vous ne partirez pas d'ici. Je viens de Sampa pour régler un problème administratif urgent. Je vous en prie. Madame, le pardon là, c'est à l'église. Je vous en prie, monsieur. Hé, je vous dis, la prière c'est à l'église. Bon, c'est comme ça là. Il y a 10 000 francs. 10 000 francs? Oui, oui. S'il vous plaît, où voulez-vous que je trouve ça? Ah. Ainsi que madame. Pardon, pardon. Non, déchargez-moi ça. Monsieur l'agent, non, pardon, non, non. Je vous en prie. Déchargez-moi ça. Pardon. Oh, c'est pas déchargez, moi. Déchargez. Je vous en prie, pardon. Pardon, monsieur l'agent. Tu vois la poignée. Hein? Il y a ça dans la forêt, il y a même tiré dans la forêt. Tu ne comprends rien? Le pays là est devenu bizarre. C'est la pièce du gorille, c'est mes affaires. Pardon, monsieur l'agent, je vous en prie. Monsieur l'agent, je vous en prie, pardon. Pareil, de Abla. Je vous en prie, monsieur. Pardon. Hein? Monsieur, pardon. Devenu comme ça. C'est quoi? Laissez ma moto. Vous m'expliquez. Yes. Ah.
Oui, entrez. Bonjour, Dave. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Merci. DG, oui? Excusez-moi du retard. Je ne savais pas que le pays là était comme ça. Comment? J'ai eu des problèmes avec un policier qui a retiré mes bagages. Oui. Malheureusement, ce sont des comportements qui existent. Mais vous savez, madame, tous les policiers ne sont pas comme ça. Heureusement. Mais ça, c'est la force qu'il m'a fait. Et peut-être même qu'il n'est pas policier. Comment? Puisqu'il était seul. Seul? Seul. Ah, généralement, ils sont deux ou plusieurs. Ah, il était seul. Bon, qu'est-ce qui vous amène à la DGAF ici? Bonne question, DG. Je viens vous voir au sujet du litige qui m'oppose à la mairie concernant mon licenciement. La commune m'a recruté comme agent de liaison il y a 2 ans. J'ai signé un contrat de travail et j'ai pris service. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous licencie comme ça? En plus des tâches d'agent de liaison, je m'occupais du nettoyage des bureaux et de la salle des fêtes de la mairie. Oui, mais ces attributions figuraient sur le contrat? Non! Non, DG. D'accord. Je le faisais volontairement. Le travail était devenu excessif pour une seule personne. D'autant plus qu'il manquait d'eau pour le travail de nettoyage. Et face à ces difficultés, la mairie a préféré me licencier en évoquant l'incompétence professionnelle, je ne sais quoi. Vous vous rendez compte? Non, ça c'est très grave. C'est pas normal. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je suis venue à Ouaga pour vous voir. Tiens, c'est lui. Explique-lui, il va comprendre. Qui? C'est qui? Mon gendre, à propos de 700 000 francs. Je t'ai dit que je ne lui parle pas. Est-ce que c'est lui qui m'a remis l'argent? Je sais, oh. Il mène la vie dure à ma fille. Il ne la croit pas. Moi-même, je l'ai appelé. Il m'a parlé sans respect. Oh, laisse-le là-bas. Il sait où je suis. Il n'a qu'à venir me voir. Et puis, mamie, si tu fais là, je vais te compliquer la tâche. Et si je dis que je ne te dois rien? Tu as une preuve pour me dire le contraire? Tu vois que je ne suis pas méchante. Je vais te rembourser. 700 000 francs, ce n'est rien pour moi. J'attends juste qu'un deal plane ou qu'un bailleur s'annonce et je te rembourse. Dieu va te payer. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va bien. Je suis bien arrivée. Oui, oui, je suis bien arrivée. Ça va ici? Oui, ça va. Ah, c'est la cuisine? Mais qui t'a amené mes effets? Tes effets? Oui. J'ai amené ça pour vous, mais un faux policier m'a arrêté et a retiré ça. Je suis retournée pour négocier, mais je n'ai retrouvé ni policier ni mes bagages. Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Viens t'asseoir, je vais t'apporter à boire. Tu me fais peur? Non, viens, je n'ai pas peur. J'arrive. Oh. C'est pas vrai. Allô? Je vous ai appelé à propos du dossier de la dame que vous avez licenciée. L'examen du dossier a permis de relever certaines irrégularités. Ah bon? Lesquelles?
Selon l'article 66 du Code du travail, le contrat que vous avez signé avec la dame est irrégulier. En quoi? L'emploi d'agent de liaison ou de nettoyage est une activité permanente qui devrait donner lieu à un contrat à durée indéterminée et non un contrat à durée déterminée. Ensuite, ayant engagé l'intéressé pour une durée déterminée supérieure à 3 mois, le contrat aurait dû être visé par l'inspection du travail. Oui, mais nous on est très loin de Ouaga, on ne peut pas faire les choses comme vous. Mais ce n'est pas une excuse. Il y a un autre problème. La mairie a engagé la dame en reconnaissance de son diplôme du certificat d'études primaires. Et vous la payez moins qu'en manœuvre. Ce n'est pas normal, ça. Mais nous lui avons proposé un salaire selon nos moyens. Et elle a accepté. Il y a un décret de 2006 qui fixe les salaires minima interprofessionnels garantis. Vous l'avez certainement. Donc, l'intéressé devra être reversé à la 4e catégorie échelle C des contractuels des collectivités territoriales. Par ailleurs, aucun article du contrat ne prescrit expressement l'entretien de bureau. Mais comment voulez-vous qu'on fasse? On doit aussi prendre quelqu'un pour ça? Mais vous pouvez insérer dans le contrat une clause prévoyant l'entretien des locaux. Sinon, vous ne pouvez pas l'obliger à le faire. Bon, en conclusion, nous demandons qu'en considération des faits cités, la dame Odile soit maintenue dans son emploi. Bon, nous on avait déjà pris quelqu'un d'autre, mais bon, on va se consacrer et puis vous appeler. Ok, d'accord. Non mais écoutez les gars, l'affaire du DG là, ça sent mauvais. Attends, quoi ça? Tu veux dire quoi? Non, il a acheté une nouvelle maison. Mm-hmm. Ouais. Et il a organisé une teuf d'enfer pour son entrée officielle. Ouais. Et Bouba nous dit encore que sa femme vient d'acheter une nouvelle voiture. Ouais. Quand même. Ah ouais, voilà. Moi, je t'avais dit quoi? DG est concerné dans l'affaire du DAF. Si DAF signe, il contre-signe. Ah. C'est clair. C'est bizarre, hein? Ah, yeah. Écoutez, les gars, moi, je propose qu'on écrive une lettre à l'inspection d'État pour qu'ils viennent fouiller un peu par ici. Tu as raison, Dia. Yeah. Ou bien? Hey, ouais. Vous là, ça là, ça vous dépasse. Moi, je vous dis. Ah, hé. Attends. Toi, tu es comme un singe. Non, il faut qu'on te dise la vérité. Si tu as peur, il faut nous prévenir. Ah, si tu as donné quelque chose, il faut dire. Attends, toi là, quitte là-bas, c'est quoi? Tu t'es où? Les 6 mètres tremblants, c'est pas. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est pas lui qui fait ces sacrifices. C'est quoi ça? Il raconte des histoires. Si tu peux pas, il faut dire, je peux pas. Même pas, non, on est fier à cette. Ça va, ça va. C'est dommage. La mairie n'a pas accepté de me reprendre. Malgré tous les manquements que nous leur avons signalés? Oui. Ah non. Ils ont refusé de me réintégrer. Oui. Et ils ont accepté de m'indemniser. Et ça vous va? Oui, ça va, ah. Ça va. Avec ce que j'ai eu, je pourrais mener une activité personnelle et régler quelques problèmes. Ben, tant mieux. Vraiment. Je suis donc passée vous remercier. Oui. J'ai amené des poulets pour la popote de madame. Pourquoi? J'ai laissé ça dehors. Non, madame. On ne peut pas accepter ça. Je ne cesse de vous dire, quand quelqu'un fait son boulot, on n'a pas besoin de lui donner quoi que ce soit. Aïe! DG, n'en faites pas un problème. C'est dans notre culture, vous savez. Ah non, moi je ne peux pas accepter ça. Et puis, si vous continuez à vous balader avec vos poulets, là, vous allez finir par retrouver votre policier de la dernière fois. Hein? Vous savez quoi? Non. Je l'ai revu. Ah bon? Et c'est mon futur beau-frère. Ah, vraiment, le monde est petit. Vraiment. Hein? Mais vous voyez, hein? Si c'est votre futur beau-frère, il n'est peut-être pas si mauvais que ça, ou bien... En effet. Ma soeur y est pour quelque chose dans cette affaire. Je le savais. Je le savais. C'est dommage, ma fille. D'accord. Bon, écoutez, madame. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bon DG. Merci, faites un bon usage. Merci, DG. Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Allez, au revoir.